Depuis le temps que la rumeur parisienne la disait menacée, c'est depuis ce matin une réalité. Catherine Trottmann quitte le ministère de la Culture et cède sa place à Catherine Tasca. Cette dernière fut elle aussi une fidèle du président Mitterrand. Commentaire Elsa Palou. Elle sait qu'elle est ministre, mais son premier geste s'est retourné dans sa circonscription. Cette énarque de 58 ans va retrouver après 7 années d'absence le chemin des ministères. Elle hérite d'un secteur qu'elle connaît bien, la culture et la communication. Ça fait quoi de redevenir ministre ? Eh bien, ça fait un grand plaisir. Un grand plaisir et une émotion aussi, parce que c'est à la fois un honneur, une grande responsabilité. Donc, on se sent tout à coup plus lourd. Déjà en 88, Michel Rocard lui avait confié la communication. Aujourd'hui, elle se charge également de la culture, un domaine qu'elle maîtrise parfaitement. Elle a longtemps travaillé avec Patrice Chéreau au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Elle est une amie très proche du chef d'orchestre, Pierre Boulez. Et ses amitiés sont un atout de taille. Catherine Trottmann, son prédécesseur, est depuis longtemps considérée comme trop éloignée des milieux artistiques et culturels. Catherine Trottmann, qui a également été très marquée par l'élaboration laborieuse d'une réforme controversée de l'audiovisuel, une réforme que Catherine Tasca va devoir mettre en application dans les mois qui viennent.